Il n'y a que les gens qui ne vivent pas dans la réalité, qui vivent dans le même truc, ils décident de dire, je construis ma vérité, ta vérité, on voit dans ta vie que ce n'est pas les résultats, ce n'est pas bon les résultats. La réalité, c'est ce que je viens de te dire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche aussi, mettre un petit j'aime, tu connais déjà. Ici c'est Jonathan Hatchi. Depuis 2016, je gagne de l'argent sur internet et je te partage tout ça durant mes vidéos, te motiver à faire la même chose si jamais tu le souhaites. Déjà, il y a une chose que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde, tu verras, c'est juste logique. Et ma formation Pirate Marketing, d'accord, qui est disponible aussi via ton CPF si jamais tu le souhaites, ou sinon tu peux investir directement en toi, hein, utilisant ta carte bleue, ça pose aucun problème aussi, hein, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, ok. Et en plus, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur comment investir dans les startups, dans la crypto-monnaie, en immobilier. Il y a un module complémentaire sur l'e-commerce aussi, un module complémentaire sur le personal branding. Je pense qu'on est pas mal, les gars. Et vous avez accès en plus à l'incubateur. Dans l'incubateur, ça te permet d'avoir du coaching en plus. Donc les gars, à un moment donné, les gars, je vois pas ce que je peux faire de plus pour vous, les gars. Donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça. Si tu veux utiliser ton CPF, on va t'aider à mettre en place ton dossier et après on te donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera dur, il va falloir travailler, ça va être plus long que prévu. Ok, donc pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Ivry dans 91, dans le quartier des Pyramides, à Ivry. Arrêtez de chialer, les gars. Si tu fais rien, il va rien se passer. J'ai découvert le business super tard, j'avais au moins 34 ans, je crois. Et voilà, enfin, les gars, est-ce que ça a été facile, rapide? Non, oui, non. Mais est-ce que ça en valait le coup? Oui. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis libre maintenant, les gars. Voilà, si tu fais rien, il va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc les gars, on continue avec la vidéo les 15 signes d'une femme de peu de valeur sur le marché du célibat. Ok, donc si tu n'as pas vu les premiers signes, j'ai fait la vidéo, normalement elle est sortie hier. Donc n'hésite pas à aller la voir aussi, comme ça tu auras les premiers signes. Je vais finir avec les 5 derniers signes, si jamais je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Les 5 derniers signes. Alors évidemment, vidéo controversée comme d'habitude, parce que pourquoi? Parce qu'on parle des femmes. Et à partir du moment où on parle des femmes, pas de manière positive. Hein, alors que, enfin, je veux dire, c'est des êtres humains, les gars. Apparemment, tu sais que quand tu mets femme, genre femme sur YouTube, tu mets femme et tu mets un mot négatif, genre la vidéo, elle n'est pas monétisable. Elle n'est pas monétisable, tout simplement. Je te laisse en faire tes propres conclusions. Ok? Donc, c'est juste pour te dire à quel point où ça va. Hein, on peut pas. Si on parle, voilà. Faut les laisser. C'est mieux de mentir. Tu mens, c'est mieux. Donc, je rappelle que, les gars, ce que je dis dans mes vidéos, c'est pas mon opinion, c'est des faits. Ok? C'est des trucs qui sont avec des études basées. Quand je dis le pic de la femme, c'est à 23 ans, le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Tout ça, c'est des trucs basés, les gars. C'est des faits. C'est des études qui ont été faites. C'est pas je vis dans ma vérité. Il n'y a pas de je vis dans ma vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la preuve, puisque tu n'as pas les résultats que tu veux quand tu vis dans ta vérité. Non, il n'y a pas de, il y a une seule vérité. Voilà. Il faut arrêter un peu les bêtises, là. Hein. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. En plus, je te dis qu'un signe, mais c'est même pas qu'un chiffre, c'est 11 signes. Bref, du coup alors, 7e signe, c'est qu'elle est en surpoids. Alors là, je sais pas, c'est un truc genre, les gens, je comprends pas, les gens s'énervent de ouf, gars. Quand tu dis qu'un homme recherche une femme qui est belle et elle est bonne, les gars, ils sont, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends pour tous les hommes, n'importe quoi. C'est un débat, ça? Je comprends pas. Ouais, mais tu blesses les gens quand tu dis ça? Mais attends, mais pour pouvoir grandir, il faut être honnête. Si tu veux avoir les résultats que tu veux dans la vie, il faut être honnête. Il n'y a rien de pire pour moi de mentir aux femmes qui sont dans le mode body positif. Ça n'a aucun sens. Je vous le dis, j'étais infirmier avant. Le truc qui m'a marqué, c'est que quand tu es en surpoids, tu as toutes les maladies. Tu as la fine équipe. Diabète, arrêt cardiovasculaire, tout ce qui est... Tu bouges tout. Tout. Tu risques tout. Cancer, tu as la totale en fait. Donc même sans rentrer dans le mode genre ça fait baisser ta note sur le marché du célibat parce que les hommes c'est pas ce qu'ils recherchent, sans parler juste en mode santé, déjà je comprends même pas pourquoi tu débats avec moi quoi. Je comprends pas pourquoi la meuf elle débatte avec moi là-dessus quoi. Juste déjà en mode santé. Et après en mode genre ce qu'un homme recherche,
Ben ouais, les filles, vous, vous avez des standards, les hommes aussi. C'est incroyable, en fait. Les meufs, elles, elles peuvent dire sur tous les réseaux, oui, nous, on veut des gars qui sont confiants, qui sont marrants, qui ont une situation financière, qui sont beaux, qui sont grands, qui ont les abdos, etc. Elles peuvent dire ça naturellement, sans problème. Mais dès qu'un gars dit ce standard, nous, nous, on préfère quand même les femmes qui sont bien foutues. Eh, comment ça, n'importe quoi, il y a bien des hommes qui aiment des, vaches, des, hommes, des femmes obèses, etc. C'est une blague ou quoi? En fait, ça me rend ouf, en fait. En fait, tu peux pas... Ouais, non, mais vous essayez de faire une construction sociale de la beauté, etc. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que nous, on se plaint de, parce que les gars qui sont au cinéma ou je sais pas quoi, ils ont tous les abdos, ils sont tous balèzes ou je sais pas quoi? Donc oui, les gars, ils ont des standards. Oui, si jamais t'es obèse, ça fait baisser ta valeur sur le marché de célibat. Oui, est-ce que c'est probable qu'il y ait un gars qui ça pose pas de problème de choisir une meuf qui est obèse? Alors déjà, j'en connais pas beaucoup. Donc on a beaucoup des gars qui ont le choix, je parle. Okay, qui ont des options et qui choisissent de se marier avec une femme obèse. Donc on est beaucoup des stars comme ça. Donc on est beaucoup de gens riches qui choisissent une femme obèse. Et même si tu en trouves un, imaginons, demain ce gars-là, je lui donne une Ferrari, 1 million sur son compte, okay, je le mets certifié sur Instagram et je lui donne le choix entre une femme fit, bien foutue. Okay. Après, dans le fit bien foutu, elle peut être un peu tic. Okay, genre en mode de Jennifer Lopez à l'ancienne, okay, avoir un gros fessier, mais ce sera toujours une petite hanche, ce sera toujours un truc bouteille de Fanta dans tous les cas, ce ne sera pas obèse. Okay, je lui dis, tu choisis ça, femme fit ou une femme obèse, 99,9% le gars il va choisir la femme qui est fit. Pourquoi? Ben parce que déjà c'est les traits de la fertilité, tout simplement. Quand tu es obèse, c'est les traits de personne qui est en mauvaise santé, en fait. Et en plus, ce que ça montre, surtout, et c'est là que je vois que les défendeurs de body positif, j'ai l'impression qu'on vit sur un monde à l'envers, mais bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun a le droit d'avoir son opinion, mais ça ne sera pas les faits, tu vois. C'est que tu montres qu'en fait, tu ne prends pas soin de toi et tu montres que tu n'es pas discipliné, en fait. Donc, qu'est-ce que tu vas enseigner à mes enfants si jamais tu n'es pas discipliné? La discipline, c'est la base pour tout. C'est la discipline pour pouvoir faire de l'oseille, ça te permet de pouvoir réussir dans tous tes projets, ça te permet de savoir discipline alimentaire, parce qu'il va dire, ouais, il y a plusieurs raisons du fait qu'ils soient obèses. Arrêtez les gars, c'est simple, c'est où tu prends du poids parce que tu manges plus de calories que tu en dépenses. C'est tout. Ça sert à rien de faire plein de trucs, se trouver plein d'excuses, essayer de faire des trucs scientifiques, ouais, mais tout ça, machin. Demande aux obèses qui ont perdu du poids comment ils ont fait. Ben, ils ont réduit leur ration, ils ont réduit leurs calories. Et ils ont dû augmenter peut-être la dépense calorique, mais ça revient au même, c'est toujours pareil. Donc, tu es en train de montrer que tu n'as pas de discipline. Okay? Donc, dans tout, ça ne va pas en fait. D'où pourquoi ça fait baisser ta note sur le marché du célibat. Et en plus, je ne sais même pas comment ça peut être un débat. Les gens qui débattent là-dessus, c'est qu'ils ne connaissent pas les femmes. C'est des femmes qui ont toujours été obèses et qui n'ont jamais été minces. Okay? Ou qui n'ont pas de copines qui sont fraîches, je ne sais pas. Ou elles veulent se fermer les yeux. Frère, quand une meuf elle est fraîche, c'est un demi-dieu sur une meuf qui est fraîche, qui est fit et qui a entre 18 ans et 26 ans, 27 ans, 28 ans. Mais elle vit sa best life. Elle est invitée à Miami sur des yachts. Elle rentre tout le temps en mode en VIP. Toi, tu t'es jamais posé la question pourquoi il n'y a pas d'obèses, des femmes obèses dans le mode VIP? C'est pas à cause du patriarcal ou je sais pas quoi, c'est juste qu'en fait il y a des traits de beauté que les hommes par lesquels les hommes sont attirés. Il faut arrêter de se mentir. Je sais pas pourquoi tout le monde se ment comme ça. En tout cas, les femmes qui sont fraîches, elles mettent pas de mauvais commentaires par rapport à ça, parce qu'elles savent. Frère, elles sont VIP, elles vont VIP, elles sont dans les yachts, elles sont dans les endroits les plus où il y a les plus de millionnaires au monde. Nous on a même pas que ça, nous les hommes. Pour pouvoir accès à ça, il faudrait qu'on soit nous-mêmes multimillionnaires pour être sur un yacht entouré de millionnaires. L'autre jour, je parlais avec une meuf que j'avais vue sur Fresh and Fit et tout, parce que c'était une Française. Donc du coup, je lui parle et tout, je dis, par curiosité, comment t'as fait pour arriver sur Fresh and Fit? Elle me dit, ouais, bah, j'étais en soirée, machin. Déjà, je crois qu'on l'a... Comment ça s'est passé? Je crois qu'on l'a invitée dans une soirée, donc évidemment, c'est que son VIP. Après, elle a rencontré le gars qui était sur place, qui s'appelle Fresh, qui l'a invité sur son podcast, ok. Et après, le lendemain, le jour où je lui parlais, elle était sur un yacht. Et la meuf, elle est pas... C'est quoi, ça, c'est un 6? Mais c'est juste qu'elle est fit. C'est un 6, voilà, propre, tu vois. Il n'y a que les gens qui ne vivent pas dans la réalité, qui vivent dans le même truc, ils décident de dire, je construis ma vérité. Ta vérité, on voit dans ta vie,
que ce n'est pas les résultats, ce n'est pas bon les résultats. La réalité, c'est ce que je viens de te dire. Un 6, elle est fit, elle est propre. Elle a été invitée à Miami gratuitement, boum boum. Et elle a enchaîné comme ça. Donc imagine si elle avait des compétences, elle aurait pu être en contact avec des célébrités. Ah oui, je ne te parle même pas du truc de les femmes, quand elles sont fraîches, elles sont en contact avec des célébrités, etc. Enfin, elles ont des DM par des gars de Dubaï, des gars de la NFL. Comment ? Je comprends pas pourquoi c'est un débat, ça. Tu veux pas blesser les gens, mais alors tu préfères pas les blesser, mais par contre, qu'ils accumulent le facteur de risque pour pouvoir mourir et attraper toutes les maladies qui déchirent là, hein, et de pas avoir l'homme qu'elle voudra vraiment avoir, parce que il est probable, non, il est possible que genre il y a un homme un jour qui me choisisse, même si je suis obèse. Enfin, l'homme que tu veux, qu'on soit clair, que l'homme que tu veux, le prince charmant dont tu rêves, te choisissent, même si tu es obèse, parce qu'il doit t'accepter comme tu es. Okay? Mais l'homme de tes rêves, il a plein de critères que tu lui demandes. Il faut qu'il soit grand, qu'il soit beau, qu'il ait fait de l'argent, qu'il ait le six-pack, etc. Tu veux pas la meuf qui est obèse, elle veut pas du gars qui est obèse aussi. Hein? Ah bah ouais, elle veut pas un gars qui est obèse, qui est sans emploi, au chômage, tout ça. Non, ça, elle veut pas. Mais voilà, donc elle accepte pas l'homme comme il est, mais l'homme, le prince charmant, celui qui a toutes les options, parce que toutes les femmes ont le même... veulent le même homme, le même type d'homme, hein, en gros, hein, avec les mêmes qualités, eh ben, vu ce qu'elle a, il a le choix, évidemment, ben, il va choisir la femme qui est obèse. Enfin, pff, comment ? Non, mais j'ai fait une petite partie de longue là-dessus parce que elles m'ont pris un petit peu la tête sur Instagram. Enfin, m'ont pris la tête. Au cas où, de toute façon, il n'y en a aucune qui va peut-être voir cette vidéo, mais au moins, j'aurais répondu. Huitième signe, c'est traumatise de ses relations précédentes. Ben, ça, les gars, tu vas prendre pour l'autre, en fait. Ah, mais je fais plus ça. Ah bon, pourquoi tu fais plus ? Non, parce que en fait, quand j'étais avec mon ex, j'ai fait ça et du coup, non, ça s'est mal passé. Donc moi maintenant, moi maintenant, je dois payer les conséquences de ta relation précédente. C'est ça que tu es en train de me dire ? Oui, exactement. Donc, non, voilà. Donc traumatisme passé, faut éviter. Traumatisme même avec mauvaise relation avec le daron et tout machin, problème. Tu vas avoir des problèmes. Neuvième signe, c'est qu'elle a couché avec toute ta planète, hein, que le féministe te dise tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps, elle se promène à poil pour pouvoir, je sais pas, on comprend pas trop le principe. Les meufs qui courent à poil, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu crois vraiment que genre ça nous dérange? Genre quand on va voir des meufs à poil dans la rue, on va faire « Oh non! Oh, oh non! Oh là là! Elles sont vraiment révoltées! On sent la révolte là !» Tu es en train de courir les seins à l'air et tu te mets de la peinture. Je sais pas si tu avais vu quand il y avait la guerre en Russie, là, les féministes, elles ont manifesté, elles ont dit non, non Poutine, non à la guerre. Elles étaient seins nus, tout ça. Elles se sont dit peut-être c'est ça qui va arrêter les missiles. Si Poutine il fait une descente, t'inquiète pas frère, elles vont vite être à la cuisine. Elle va dire oui, non, mon chéri, je te fais à manger, je te fais un hamburger. Hein, parce qu'il va falloir aller battre Poutine. Hein. Et si ton mari dit, chérie, tu vas pas manifester ça là, durant la guerre. Non, j'ai changé d'avis. Non, tu vois. Donc non, faites ce que vous voulez avec votre corps. C'est sûr qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur corps, hein, ce genre de femmes. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Elles font ce qu'elles veulent avec leur corps, sauf que, ben, comme dans tout, ben, y a des actions entraînent des conséquences. Voilà, tu peux pas coucher avec toute ta planète. Les actrices de films porno, eh ben, elles en savent un rayon. Même toutes les meufs qui font OnlyFans, elles en savent un rayon, pas tout de suite quand elles sont jeunes, c'est après, quand elles veulent vraiment se poser, avoir une relation long terme. Putain frère, si jamais on t'a vu, si ton mari sait que toute la planète t'a vu en train de faire des trucs pas catholiques devant la caméra, c'est sûr qu'il voudra pas que tu sois la mère de ses enfants. Et genre, il y a un gars qui parlait de ça et qui disait, je sais plus c'est quelle actrice, mais je crois qu'elle avait juste un OnlyFans. Bon, enfin juste, c'est pareil, hein. Elle avait un OnlyFans et elle regrettait, elle pleurait, elle disait... Si je pouvais tout effacer de ma vie d'avant pour que personne ne sache, pour pouvoir. Parce qu'elle galère pour trouver un gars. Et au final, que les femmes le disent non, c'est pas vrai, etc. Au final, le bonheur d'une femme, elle le trouve dans la création d'une famille. Non, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'avoir des enfants. De manière générale, les femmes veulent avoir une famille. Famille, des enfants. C'est là où elles trouvent leur bonheur. C'est pas en faisant de l'argent. Okay, les femmes sont des êtres sociales, c'est pour ça que vous êtes plus forts que nous dans tout ce qui est lié au social. Vous nous mettez en PLS, vous êtes fait pour ça, vous êtes designé pour ça. Okay, nous, de la même manière que nous, on est fait pour accomplir des choses. Si jamais nous, on n'accomplit pas des choses, on rentre en dépression parce qu'on ne fait rien de notre life, on a l'impression de ne servir à rien.
Parce qu'on est des hommes. Okay, donc non, la femme, elle a envie. C'est pas parce qu'après, tu as eu peut-être un moment de galère que tu dis, ouais, finalement, j'ai plus envie d'avoir de mari, j'ai plus envie d'avoir d'enfant. Parce qu'en fait, tu peux pas. Si tu aurais voulu, mais tu galères. C'est tout. Donc oui, c'est clair que si jamais une femme accouche avec toute la planète, les gars, ça va pas le faire, c'est sûr. Ça va être très compliqué pour ce genre de femme de pouvoir s'opposer, avoir une relation long terme avec un gars. Ça va être compliqué. Dixième signe, c'est qu'elle ne voit pas la valeur d'un homme. Ça veut dire, elle est indépendante, j'ai pas besoin des hommes, j'ai pas besoin de toi. C'est une féministe en gros, en fait. Ouais, j'ai pas besoin de toi. Enfin, féministe 2.0, parce que nous, ça fait longtemps que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Hein. Je sais pas de quoi on parle, je comprends pas pourquoi il y a encore des débats là-dessus. S'il y a quelqu'un qui peut me citer un droit que, genre, un homme a, mais qu'une femme n'a pas, ça n'existe pas, frère. Elles ont tous les droits. Elles se plaignent, oui, le patriarcal, etc. Mais vous avez tout le droit. En fait, c'est pareil, on est égaux. Vous avez tous les droits. Vous avez même plus de droits parce que dans cette société patriarcale, vous avez tous les droits, plus les privilèges d'être une lady. Je comprends pas. Mais en fait, le problème, c'est quand il y a un petit truc qui bénéficie pas à certaines femmes, eh ben, genre, elles sont vénères. En fait, elles voudraient vraiment que tout, qu'il n'y ait jamais de double standard. Ben, il y a des doubles standards. Il y a des avantages d'être un homme, il y a des avantages d'être une femme. Ça, on ne peut rien échanger, c'est la biologie, c'est comme ça. En tout cas, elle ne voit pas la valeur d'un homme, elle n'a pas la valeur familiale pour elle. Bon, les enfants, tout ça, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai juste faire de l'oseille, par exemple, tu vois. Et le dernier signe, c'est qu'elle a une énergie masculine. En gros, ben, t'es avec un homme, quoi. Donc évidemment que ça fait baisser sa note sur le marché du célibat. Parce qu'il n'y a aucun homme qui veut être avec un autre homme. Si t'es là, en mode, tu parles fort, t'es pas du tout féminine, t'es pas câline, t'es pas soumise. Oh là là, j'ai dit le mot soumise. Bah oui, tu veux un leader. Bah faut bien que tu suives le leader, non? Bref. Et tu veux pas te faire à manger ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, elle est en mode, je suis un homme aussi, quoi. Mais bon, cela, j'ai même pas besoin de développer. À partir du moment où je te dis c'est masculine, c'est, ouais. Non, la femme est attirée par des hommes masculins et les hommes sont attirés par des femmes féminines. Ça aussi, on dirait, c'est ouf qu'on ait besoin de rappeler ça. Tu te rends compte? Donc évidemment que ça fait baisser sa note sur le marché du célibat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu restes respectueux, il n'y a pas de problème. Si tu manques de respect, on bouge ton commentaire direct. Il n'y a pas... Alors là, détendu. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, choisis ton camp.